Bonjour, moi c'est Yacine. J'ai fait une thèse au laboratoire d'astrophysique de Bordeaux. Donc pour ça, je passais par une licence de physique et un master d'astrophysique avant d'arriver là. Et j'ai commencé donc ma thèse avec Franck Celsis ici. Donc pendant ma thèse, j'ai travaillé sur les atmosphères planétaires et en particulier la photochimie dans les atmosphères planétaires. Alors, comment je suis arrivé là ? Une très bonne question. L'astrophysique, ça m'a toujours un peu plu. Étudier l'univers, ça a toujours été une passion que j'ai trouvée assez rigolote. Et en même temps, j'aime beaucoup la chimie. Et donc, en fait, après une conférence que j'ai vue qu'on pouvait faire de l'astrochimie, je me suis dit, c'est parfait, je peux étudier l'univers en même temps faire de la chimie. Et donc, je me suis lancé dans de l'astrophysique, mais en tournant un peu mon étude d'un côté chimique. Alors au cours de ma thèse, j'ai fait de la modélisation en fait d'atmosphères, c'est-à-dire que j'ai utilisé un modèle pour simuler des atmosphères et ceci de manière un peu générique, c'est-à-dire qu'en fait c'est un modèle qui me permettait de simuler des atmosphères très différentes pour étudier en fait la grande diversité d'atmosphères qu'on rencontre grâce à la découverte d'un grand nombre d'exoplanètes. Et donc en particulier, j'ai travaillé sur l'exoplanète TRAPPIST-1e. Donc une exoplanète, c'est juste une planète comme la Terre, mais qui tourne autour d'une autre étoile que le Soleil. Donc on peut observer les exoplanètes grâce à la méthode dite des transits, c'est-à-dire qu'on peut voir là une diminution du flux de l'étoile lorsqu'elle passe devant l'étoile et du coup qu'elles vont cacher l'étoile. Donc, j'ai soutenu ma thèse récemment et c'était une très bonne expérience. 3 ans de thèse qui étaient vraiment sympathiques et la soutenance a été vraiment un grand moment, toujours beaucoup d'émotions et une fête après ces 3 ans de travail acharné. Alors c'est vrai que la thèse c'est beaucoup de travail, mais en même temps un bon travail d'équipe. Et donc c'est assez agréable les interactions avec les différentes personnes qu'on croise au cours de la thèse. Et c'est franchement agréable de travailler comme ça. Donc maintenant que j'ai soutenu, il faut penser à la suite. Donc j'ai réussi à avoir un postdoc à Genève où je m'intéressais toujours aux atmosphères planétaires, mais des plus hauts niveaux dans l'atmosphère, c'est-à-dire que là j'ai étudié l'atmosphère proche de la surface et maintenant plutôt proche de la haute atmosphère. J'ai orienté un peu ma thèse aussi vers de l'astrobiologie et donc découvrir une planète avec une atmosphère similaire à la Terre serait vraiment quand même quelque chose de fantastique et qui ferait plaisir.